Bonjour à vous YouTube, bienvenue sur la suite d'Harry Potter 2, la chambre des secrets. On continue là, on s'était arrêté la dernière fois. Putain, le feu quoi. Regardez le feu. Le feu il bouge pas. Si le feu il bouge, mais très lentement. Il est au moins en 2 FPS là. Et encore, je suis gentil. Hein. Donc, je ne sais plus trop où on s'était arrêté, malheureusement. J'ai plus ça en tête, mais. Je crois qu'on était en train de récupérer les. Si je ne m'abuse, on était en train de récupérer les morceaux pour faire la potion, pour faire la potion de polymorphie là, qui s'appelle. Tais-toi! Comment elle s'appelle cette potion? J'ai encore oublié. Le polynectar, voilà, merci. Le polynectar. Je dis merci, mais c'est à moi que je me réponds moi-même. on avait fait la. On avait appris le nouveau sort avec le professeur Chourave. Si je ne m'abuse, et là, justement, je crois que, si je me souviens bien, regardez, il y a Ron là-bas. Je crois qu'il faut suivre Ron. Et du coup, je vais devoir chercher le nouvel ingrédient. Ah non, pourquoi tu retournes là-bas? Me dis pas que... Non. Me dis pas que ça va pas sauvegarder et que je vais devoir refaire ça. Non, c'est bon, il n'y a pas cours. Non, non, c'est ça. En fait, j'ai fait cours avec Professeur Chourave pour apprendre le sort, eh bien, vous savez, le sort de l'herbe, là. Et maintenant, je vais devoir l'utiliser, ce sort, pour pouvoir aller chercher un autre ingrédient. Attendez, j'ai cru qu'il y avait deux Ron. T'es qui, toi? Qui es-tu? Arrête-toi! Sosie de Ron! Mais je crois que c'est une femme, en plus. Je crois que c'est une petite fille. Bon, écoutez, de toute façon, Ron, voilà quoi. Bon, bref. Bon, bref, on va suivre Ron, on y va. Donc, on est toujours en mode tryhard, hein. Évidemment. Ah, regardez, voilà, on peut ouvrir justement. Là, il va dire, moi, je sais pas faire le sort. Voilà, c'était ça. Nintendo! Vous vous souvenez? Est-ce qu'on. Ça fait gagner des points, ça. Ah, mince, j'ai niqué la game. Bon bref, Osef. Vas-y. The greenhouse is right inside that door, Harry. I'll watch out for Professor Sprout. Good luck. Sprout. Professeur Schwarf, c'est Professeur Sprout. Nintendo. Bon, on aura toujours, à mon avis, le bug des cinématiques. Mais ça, franchement, ça me fait bien rire. J'ai bien aimé vos retours sur la première vidéo. Donc la première rediffusion. Ça vous a fait bien rire les bugs de. Les bugs de rapidité. Putain, je me suis fait toucher, j'ai même pas marqué. Je sais pas si le son est pas un poil trop fort. Voilà, j'ai récupéré ma vie. Ok. Peut-être baisser un peu le son. Il me semblait qu'il était un poil trop fort. Voilà. Ah ça y est, je vais vite là. Putain, je vais vite. Il n'y a rien à faire là. Non. Donc là, c'est un nouveau. En fait, c'est un nouveau passage, un nouveau donjon. On va appeler ça des donjons, hein, même si c'est pas du tout des donjons. Mais avec ce fameux sort, comme on a pu le faire dans les cachots de Rogue. Et du coup, voilà. Bah, je sais pas comment appeler ça en fait. C'est pas des donjons, mais c'est genre des suites de puzzles en fait, on va dire. On va appeler ça comme ça. Ah, mais ça me touche ça. Je suis trop rapide, c'est ça? Ça ne tue pas les plantes, hein. Ça les, juste ça les stun en fait. Ça me permet de passer à côté. En fait, quand le jeu a pas beaucoup de choses à charger comme là, mon personnage se déplace super rapidement parce que mon PC va trop vite. Vous voyez, il faut que j'aille jusqu'à là-bas, donc là il va falloir que je fasse bouger encore une fois la plateforme, je pense. Exactement. Je sais pas à quoi sert la plateforme qui est au sol là. Là, regardez, il y a un truc. C'est bizarre. Bref. Allons-y, on continue, c'est pas grave. Nintendo! Je vous jure, j'entends vraiment Nintendo, quoi, ça me fait trop rire. Oui, donne-moi de l'argent.
J'aurais commencé à en avoir pas mal en vrai. Wow, wow, wow! C'est quoi cette expulsion? Oula! T'as Harry Potter quoi. Tu utilises tellement de sorts à la seconde. Ah! This is a particularly nasty variety of spider. Their bites are extremely poisonous, so stay away and cast Rictosempra to stun them. Ok, c'est Zastuni, ok. Fais attention aux araignées. Oh, tasse! Heureusement, on a le Rictosempra. Et on fera d'autres duels pendant cette session de live. Bon, eux, ça les tue par contre. Harry Potter, il tue. Viens là, ça ne me sert à rien, mais j'aime bien te collectionner. Là, ça va ouvrir quoi? Ok, ça ouvre le passage pour rentrer à l'intérieur de la serre. Je vais pas rentrer tout de suite. J'aimerais bien faire le tour d'abord. Alors faisons le tour. Ah, j'ai récupéré de quoi faire une nouvelle potion. Là, regardez, il y a un passage secret, c'est sûr à 2%. Voilà. 2 milliards de pourcents sûr qu'il y avait un passage secret. Une petite carte argentée? Non. Seulement des dragées. Dommage. Vraiment l'objectif que j'ai dans le jeu, parce que le finir, je sais que je pourrais le faire. Enfin, je crois. L'objectif que j'ai, c'est vraiment de récupérer toutes les cartes. Pas toutes les cartes du jeu, évidemment, mais au moins toutes les cartes argentées pour pouvoir rentrer dans la salle du bonus, comme on avait vu la dernière fois. Ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais. Ah, une carte en bronze. Ça, c'est pour faire des potions. On en a encore plein. Sachant que c'est pas si inutile que ça, hein, les potions, ça peut vraiment vous servir. Alors là, par contre, je fais quoi? Ah, d'accord, c'était ça que je récupère. Ok. Ok, d'accord. C'est complètement bullshit. Parfait. Hey, Hermione. I found a bunch of shredded boomslang skin for the polyjuice potion. Polyjuice potion. Great, Harry. I'll go add it to the potion right now. Je pense qu'il reste un ingrédient, non? Il doit rester les cheveux. Oh. Ah! C'est la cérémonie de la semaine des points. Mais du coup, je pense qu'on a encore tout niqué. Et on va encore pouvoir récupérer des dragées. Je commence à avoir vraiment beaucoup de dragées. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup d'utilité en fait. Est-ce que j'ai récupéré tout ici? Je crois, oui. Oui, j'avais tout récupéré. Du coup, je suis descendu pour rien. Faut que je remonte. Putain, je savais en plus. Je savais que j'avais récupéré tout ici. Le mieux, c'est quand on va apprendre ce sort. C'est tellement drôle. En fait, vous jetez un truc ici. Et ensuite, vous pouvez sauter dessus pour vous expulser. C'est assez marrant. Ok, on les a tous niqués encore. On est à 536. Serpentard, ils sont à 488. Regardez, les pauvres Serdaigle, ils sont à 271 points. Ils ont que des cancres, et pourtant Serdaigle est censé être les mecs intelligents, quoi. Toujours moi qui visite la bonus room, tu sais. Y a aucune justice, ça peut jamais être quelqu'un d'autre, c'est toujours moi, tu sais. Je suis en deuxième année, mais c'est moi qui gère le bordel. C'est quand même fou, hein. Donc là, on ramasse tout, hein. Là, en plus, on peut avoir accès aux autres salles, comme je vous parlais la dernière fois. Donc ça, c'est nice. Bon, en fait, ça me sert pas à grand chose. Sauf qu'il faudrait que j'aie le sort pour pouvoir sauter ici. Mais moi, je peux faire le tour complet. Ça, c'est bien, ça. Ouh. Ok, bon, je pense que j'ai récupéré le maximum. Professor McGonagall collected the names Harry, Ron and Hermione signed up. They heard that Malfoy was staying. Donc là, il parle des vacances d'hiver. Tout le monde reste pour les vacances d'hiver. Et du coup, ce serait parfait pour utiliser la potion, le polynectar. Ok, donc je dois aller voir la... Je dois aller voir là où on fait la potion, faut que je me souvienne où c'est. Pousse-toi. Faut que je...
Est-ce que je suis allé par là? Mais je pense que je suis allé par là. C'est ça que, genre, en fait, c'est, ce qui est chiant, c'est que comme les trucs restent pas ouverts, bah vous pouvez jamais savoir exactement où est-ce que vous êtes allé. Faut vraiment vous en souvenir. Il faudrait que j'aille aux escaliers, mais c'est pas par ici. C'est sûr et certain que c'est pas par ici. C'est de l'autre côté en fait. Oui. Parce que là c'est un cul-de-sac, je crois. Vous avez vu tous les enfants qui font des trades quoi, c'est un truc de malade. Hein. Les enfants ici c'est le marché noir quoi. Non là c'est la salle. Je me perds toujours dans Poudlard. Je me repère très mal ici en fait, c'est un truc de fou. C'est pas par là et c'est pas par là. C'est là-bas alors. Pourtant c'est tout petit hein, le château, mais j'ai toujours eu du mal à me repérer. Non, je veux pas aller au Rictus Sempra Challenge. Je cherche les escaliers, je ne sais plus où ils sont. Je suis un peu débile. Là, c'est la salle commune, d'accord. Moi, je veux les escaliers. Où sont les escaliers déjà? C'est pas par là. Je suis débile ou quoi? Attends, j'essaie de réfléchir, mais je crois que c'est par là en fait. C'est par là en fait, non? C'est ça? Voilà! Maintenant, je crois qu'il faut aller au deuxième étage. Oh merde! C'est vrai, il y a Nick. J'avais oublié, il y a le deuxième meurtre. Enfin, la deuxième attaque. Mr. Potter, what's happened to you? I don't know. I found him like this. Follow me, Potter. Follow me, Potter. Donc là, pour le jeu, c'est juste, juste le fantôme. Alors moi, il y a un gosse aussi. Professor, I swear I didn't. This is out of my hands, Potter. Et du coup, elle va nous amener. Elle va nous amener chez Dumbledore. Salut à Piscap. Bisous, bisous, bisous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Tu es un sorcier, Minerva. Je suis un quoi? Through this door, Mr. Potter. Donc on va voir Dumbledore. Ok. Est-ce que vous vous rappelez, dans les commentaires YouTube, dites-moi, du mot de passe que McGonagall utilise pour accéder au bureau de Dumbledore? Est-ce que vous savez quel est ce mot de passe et pourquoi? Moi je sais évidemment. Comment on va? Bah ça va très bien, écoute. Je suis tellement content de jouer à ce jeu, t'imagines pas, ça me fait tellement plaisir. J'aime trop ce jeu. Ok, on peut fouiller. Bon, il y a Fume Sec. Je crois que c'est Fume Sec, c'est ça? Qu'il faut aller. NON! Putain. Ça débloque la cinématique, je voulais pas, je voulais fouiller un peu. Ah non, je crois que c'est bon en fait. Ok, c'est bon. Donc là, le phénix est mort. Enfin, est mort. Oui, il est mort. Hop là, petit passage caché. Qu'un élève de deuxième année peut trouver quand même. C'est assez ouf. Bon, ici, on va bien trouver une carte argentée, non? On va pas trouver une carte argentée ici? Dans le bureau de Dumbledore? Sérieusement? Mais non, Piscal, faut pas le dire! Ah, nice! Une argentée. Parfait! On en a 10, je crois, donc on a 2 clés. Bon, bah tant pis, Piscal, il l'a dit, donc je pourrais pas savoir les gens qui mentent. Mais c'est pas grave. Et c'était ça, du coup. Sorbet, citron. Je crois que c'est citron, sorbet, même en vrai. Dans la VO, je crois qu'il dit. Enfin, dans la VF, je crois qu'il dit citron, sorbet. Et pas sorbet citron. Donc là il y a le choix pour hein, qui débloque une cinématique. Moi je vais tout récupérer avant. Ah, une autre carte de bronze, nice. On fera un point sur les cartes plus tard, vous inquiétez pas. Non pas menthe, citron. Qu'est-ce qu'il y a encore? You've been wondering whether I put you in the right house. Yes, you were particularly difficult to place. But I stand by what I said before. You would have done well in Slytherin. Oh my gosh! Quoi? Pourquoi il est choqué? Good evening, Harry. Professor, your bird. I couldn't do anything. He just caught fire.
fox is a phoenix, Harry. Putain, puis capte grave. Donc là, il explique que Fumsec c'est un phénix et qu'un phénix ça meurt et ça se transforme en cendres, ça renaît de ses cendres. C'est génial, hein. Ça peut porter des charges très lourdes et ça peut guérir avec ses larmes. Il est bien fait, Dumbledore, je trouve. Il a bien la tête du Dumbledore du film. Phoenix. Whether there is anything you'd like to tell me. Being able to talk to snakes was what Salazar Slytherin was famous for. Anything at all? No, there isn't anything, Professor. Menteur, Potter, menteur. Sure. Potter le menteur. Night, Professor. There you are. You need to go to the bathroom. Hermione is waiting for you. Il sent au calme d'un mur, tu sais. Par contre, il y a plein de secrets. Hein. Non, ça c'est fait. Mais je crois qu'il y avait un truc sur le mur. Là, je crois que je l'ai fait aussi. Ouais. Je me doutais bien. C'est Satan, alors il a la même voix dans sa tête qui lui dit tu. C'est vrai. Tu es. Tu es. On n'a pas du tout suivi Ron. Ron ! Oh putain ! Ron, fais pas le con ! Ron ! Descends là tout de suite, Ron ! Non, 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 je te... Ron ! What the fuck ! Mais t'es un grand malade ! Mais Ron, mais t'es un malade ou quoi ? Mais que fait la police, quoi ? Bon, je fais pareil, du coup. YOLO, 3 cystoscopes ! Mais Ron, mais t'es un fou furieux ! Mais me regarde pas, t'as ton air de mec chelou là. Je te défonce moi. Putain mais Ron quoi, mais quel taré. C'est quoi par là? C'est une salle de classe. Ah c'est la salle des enchantements non? Ouais c'est ça. Ron? Où il est Ron Weasley? Ron Wheeler, je comprends pas ta blague. Je suis désolé, t'as un humour trop fin pour moi. Hello, Mara. Donnez-moi de l'argent. J'en ai tellement. Bon, bref, on va arrêter de se perdre là. Peut-être. Putain, mais Ron, t'es un malade quoi. Ron, il s'est suicidé, t'sais. Vraiment. Flipendo. Vas-y, Hermione. Je crois que Rome s'est pété la jambe, tu peux l'aider? Chut. Il manque un ingrédient. Voilà, c'est les cheveux de Goyle, la personne dont on prend l'apparence. Il faut que je suive les traces de nourriture pour trouver Goyle. Ah, ok, il est juste là-bas. Bon, YouTube, on va trouver Goyle au prochain épisode. Nous, on continue en live. On vous fait des gros bisous et on vous dit à plus tard. Si vous avez compris la blague d'Apiscap, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, j'ai rien compris. Salut et à plus tard. Oui.